Rapidement, je vais faire vite. J'ai mes réceptions de tout à l'heure, s'il vous plaît. Il s'agit de nous tous, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre santé, il s'agit de nous tous. C'est rapide, j'ai des réceptions tout à l'heure, je reste pas longtemps, c'est un direct imprévu. J'avais pas le choix, c'est poussé par l'esprit que je viens donner ce direct. Donc likez, je fais vite et puis je vais m'occuper. J'aime trop cette chanson. Je mets l'hymne national
et puis on va commencer. Nyadjo est dans la place. Nyadjo, je te demande l'autorisation. Nyadjo. Nyadjo. Que Dieu vous bénisse. J'ai bloqué quelqu'un. J'ai même pas encore commencé le direct, j'ai bloqué quelqu'un. Voilà. Parce que j'ai bloqué quelqu'un, j'ai même pas commencé, j'ai bloqué quelqu'un. Bon, avant de commencer, j'ai une question à vous poser parce que il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, c'est quoi ces grosses bagues? J'ai dit, oh, mes bagues là, vous font quoi? À cause de mes bagues, vous dormez pas ou bien? Hein? Moi là, je vais continuer. D'ailleurs, je suis en train de préparer une belle chevalière en or. Je suis en train de la préparer, je vais la porter. Moi, j'ai été élevé dans les bijoux. Ma maman, elle vendait des bijoux. Mes bijoux, là, j'aime les bijoux. Je suis serviteur de Dieu. Je porte mes bijoux. Ça ne retire pas onction dans ma vie. Donc, mes bagues, là, ça n'a qu'à dormir tranquille, s'il vous plaît. À chaque fois, c'est quoi ces grosses bagues? C'est quoi? Est-ce que c'est sur votre doigt que ça est? C'est sur mon doigt, ça est? Regardez et puis faites comme si vous ne voyez rien. Il y a d'autres, même, ils laissent des commentaires. C'est quoi tête de mort, tête de mort? Regardez bien, tête de lion. Voilà, regardez bien aujourd'hui là. Vous avez vu, non? C'est lion, tête de lion en argent blanc avec des pierres précieuses là-dedans. Tête de lion et ça coûte cher. Hein? Voilà. Regardez ça là, tête d'aigle. C'est un aigle qui est là. Voilà, c'est deux animaux qui ont une valeur dans la Bible. D'accord? C'est pas tête de mort. Dès que vous voyez quelque chose, c'est quoi ces grosses bagues? Ce sont mes bagues. Je veux continuer à porter mes bijoux. Faites vidéo. Laissez commentaire. Attaquez. Je ne vais pas arrêter. Ma barbe là, quand ça va pousser, je vais être en jaune encore. Donc, c'est votre problème. Racontez ce que vous voulez. Quand, tant que tu ne me donnes pas l'argent pour manger, tu ne m'habilles pas. Peut-être que tu es jaloux de moi. C'est ton problème. C'est pourquoi tu parles de bagues. Je vais porter bien. Même si je veux mettre 100 bagues ici, 10 000 bagues, je vais porter. Je porte bagues. Je ne porte pas bagues. Si vous voulez me critiquer, vous allez me critiquer. Donc, ces bagues-là, vous avez eu pour critiquer. Ça, là, c'est argent blanc. Voilà. Voilà mes initiales. E, une étoile au milieu. Attends, il y a levé pour bien vous montrer. Comme ça, vous allez bien être content. Voilà. Une pierre précieuse au-dessus de mon étoile. C'est symbolique, hein? Tout ce que moi je porte, c'est symbolique. Tout ce que je porte, c'est symbolique. Je l'ai fait fabriquer exprès. Une pierre précieuse sur mon étoile au milieu, entre E et puis I. Il y a une étoile au milieu de Étienne, Ignace, et puis il y a une pierre précieuse qui couronne mon étoile. Ça, c'est symbolique. C'est moi qui ai demandé au bijoutier, fais ça pour moi, argent blanc. Et je vais continuer à porter les bagues. Actuellement même là, je suis en train de commander une bague en or. C'est-à-dire, une chevalière en or avec des pierres précieuses. Mon droit dessus, je vais la porter. Bien. Vous voulez, oh, que quoi les bagues? C'est pas quoi les bagues? C'est votre problème. Plus rien à dire, ma barbe. Ça là, je laisse pousser.
Quand ça va pousser là, je vais taire encore. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. C'est moi. Ça ne me dérange pas. Donc, je voulais vous donner une petite réponse. Parce dès que je commence le direct, c'est quoi les bases? Je mange chez toi, je dors chez toi. Ta femme t'a dit que je suis allé la draguer. Hein? Tu m'as déjà donné à manger. Ta femme, elle t'a dit que moi, je l'ai déjà dragué. Moi, ma femme m'aime comme ça. Donc, ce n'est pas ton problème. Tu es jaloux. Voilà. Tu es jaloux. Vous êtes jaloux. Ce que vous n'avez pas, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ça que vous critiquez. Sincèrement, je n'ai rien à foutre de vos paroles, vos critiques. Des pauvres types comme ça, mais rien à manger, rien à faire. Vous souffrez dans votre vie. Vous avez besoin compris pour vous. C'est vous qui vous occupez de la vie des gens. Je vais porter mes bagues bien. Même Dieu, même, il ne descend pas pour me dire de ne pas porter mes bagues. C'est toi, pécheur malheureux comme ça, là. Tu as venu me dire de ne pas porter bagues. Quittez là-bas. Je n'ai pas fait direct à cause de ça, mais comme dès que j'ai commencé, ils ont laissé commentaire, il fallait que je réponde à ce tétard-là. À ce petit crapaud de rien du tout qui mange que de terre. Je vais commencer mon direct. C'était même pas un direct pour m'énerver. Hein. C'est à cause des commentaires là. Je voulais le répondre. Voilà. Je voulais le répondre. Comme ça, c'est mes bagues. Je portais bien. Voilà. D'ailleurs, même là. Regarde. Oh, je ne peux plus mettre ça ici. Tête d'aigle là. Lui, c'est ici et main. Lui, il est spécial au milieu. Voilà. Tête d'aigle. Je mets ça là. Si elle veut même, elle met ainsi, 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 elle met ainsi. Voilà. C'est ma main, c'est ma tête, c'est ma vie. Ça ne me dérange pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est mon corps. Ici là, c'est ma tête, ma bouche, c'est mon corps. En bas là, c'est ma pine. Les pieds là, c'est mes pieds. Derrière là, c'est mon cul. C'est dans mes fesses, je chie. C'est dans ma pine, je pisse. Ça, c'est ma main, prête pour manger. Quelqu'un qui touche là, c'est mes enfants qui me touchent, c'est ma femme qui me touche. Mon corps m'appartient. Tant que tu ne me vois pas chez toi en train de graisser ta femme là, viens pas me critiquer. Tant que tu ne me vois pas chez toi en train de te demander à manger, viens pas me critiquer. Tant que tu ne peux même pas acheter Kodjo ou caleçon pour moi, viens pas me critiquer. Tant que tu ne peux pas mettre onction dans ma vie, viens pas me critiquer. Pauvre type, pauvre. Vous tous qui parlez bap, tout ça, vous n'avez rien à dire, je vous emmerde. Vous êtes jaloux de moi. Voilà, je suis beau, à Bogaïs. À côté de ses 50 ans, il brille. Mla, 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 mla. On dirait un petit de 28 ans. Voilà, ça vous énerve jusqu'à vous avez coco dans vos anus. C'est pourquoi vous toujours en train de m'attaquer. Je vous emmerde. Voilà, ça c'était pour vous. Bag, bag. On nito li bag, bag, hein? On nito bag, mami. Il y a des parents baoulés comme ça, tout le monde ne va pas comprendre. On nikoto li bag, mami. On ni ma mialie. Hein? Ndi woni. Ok bon. Allez, je commence. Je voulais commencer par la prière, mais à quoi de ça, il est terminé par la prière. Ils sont trop bizarres. Vous croyez que vous allez venir, je ne peux pas vous répondre. Ma bouche ne peut pas caler son. Je ne suis même pas venu ici pour Genzin. Je suis venu pour parler tranquillement aux Ivoiriens par rapport aux révélations que j'ai eues hier. Pour qu'on se mette en prière. C'est quoi ces bagues? C'est toi qui paies mon loyer, ma bille ici, jaloux, la vilain garçon. Regarde comment je suis beau. Chérie, je suis beau, non? Voilà, elle a dit oui. Je suis beau, jaloux, à Bogaïs, presque 50 ans. Regarde comment il brille, blanc, blanc. Regarde, regarde encore. Regarde les yeux, yeah, regarde la bouche. Je suis trop mlem, mlem, à zigueï, à plan, plan, à plan, plan, à tia normal. Ça vous énerve. Mais je suis dans votre os. Voilà, je continue. Maintenant, il va me poser parce que je ne suis pas venu pour ces conneries-là. C'est quoi tes bagues? C'est quoi tes bagues? Est-ce que quand je porte mes bagues-là, je prends ma main pour mettre dans tes fesses pour que ça gratte tes fesses? C'est dans ma main, ça y est, non? Tu m'as déjà vu mettre mes doigts dans tes fesses avec ma bague? Hein? Même les PDO, ils parlent de ma bague. Des gandous, des bordels. On appelle ces gens-là des brouteurs, des microbes remplis de péchés. Les gens, même leur vie, même n'ont même pas fini de contrôler. Un homme de Dieu, là, c'est quoi tes babes? C'est quoi tes babes? Tu vas en Israël pour aller demander tes babes? Est-ce que tu sais si Jésus portait tes babes? Il a porté bien. Il a porté encore bien. Même chaîne-là, il a fait barakuta même. J'ai mes bouts d'oreilles même pour vous donner n'importe quoi.
des jaloux comme ça. Ce qu'ils n'ont pas, c'est quoi ces bagues? C'est quoi ces bagues? C'est ta mère qui me nourrit ici. Tu as fini de t'occuper de ta propre vie, connard. Voilà. Ça, c'est pour vous. Matin, là, vous m'avez cherché. Je ne suis pas venu pour prier. Donc, vous m'avez cherché. Vous ne suis plus en jeûne. Cherchez-moi. Je vais vous donner ça gentiment, pépèrement et doucement. Voilà. Quand vous allez vous pencher, vous allez vous pencher et puis on vous met dans les fesses là. Est-ce que moi, il m'avait parlé? Jaloux. Ça là, ça fait. Ça, regarde, en vrai, ça fait 700 euros. Mais par réduction, je l'ai eu à 400 euros. Toi, tu peux payer ça pour mettre sur ton doigt. Tu as vu les pierres qui sont dessus? Tu as vu les vrais yeux d'aigle là? Tu as vu? C'est un aigle qui est là. Quand tu portes ça, on sait que tu es un aigle. C'est pas tout le monde qui porte ça. Hein. Aigle. Tête d'aigle. Tête d'homme. Tête de mort. Tête de mort. Tu m'as vu dormir dans le cimetière. Tu m'as déjà vu dormir dans le cimetière. Ça, c'est tête de lion. Parce que vous guisez là, je suis un lion. Et il est tellement bien fait. Il y a tout dedans. Il y a des pierres dedans. Et un argent blanc. C'est fabriqué en Allemagne. Un bijoutier reconnu dans le monde entier. C'est une marque reconnue. Je ne vais pas te donner la marque. Parce que tu ne peux même pas payer. Tu es jaloux. Ça là seulement là, ça peut te nourrir. Les deux là, ça peut te nourrir. Ça peut te nourrir. Je ne sais pas combien de temps. Hein, mais ça peut te nourrir. Ça peut nourrir ta femme et tes enfants. Les deux seulement que tu vois là. Eux prennent les gens pour des ça fait rien, ça fait rien. N'y quoi. Eh Seigneur, pardon. Je suis venu parler de la paix. Donc, il va me calmer. Je bois un peu d'eau. Hein, ça va me calmer. Amou Yakio. Ati proplo. Joli garçon sans produit sénégalais, sans produit ghanéen, sans produit gouro et sans produit béninois. C'est Dieu qui l'a mis comme ça et sa maman l'a bien fait. Tous les enfants sont jolis. Moi-même, je suis joli. Ma femme est jolie. Mes fesses sont jolies. Mon toit est joli. Ma main est jolie. Tout ce qui est sur moi est joli. Même caca qui est dans mes oreilles est joli. Tout est joli. Ah, ça vous énerve, hein? Mouah. Bon, on se calme. Oh, on se calme, on souffle un peu et on parle des bonnes choses. Allez, c'est parti. On va parler des bonnes choses. Voilà, quand vous venez, vous donner doucement. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Comment son direct, c'est quoi les bagues? On dirait que tu donnes à manger. N'importe quoi. Tu as ta main, j'ai ma main. Laisse mes bagues tranquille. Je t'ai dit de venir t'imposer, mais. Oh, Mia. Oh, Mia, trop. Je ne sais pas si tu es venu. Ah. Ok. Ouais, je voulais prier d'abord, mais on va prier après. Par toute façon, j'ai gainé un peu, on ne peut pas prier pour le moment. Ok, je vais m'adresser directement aux politiciens ivoiriens après la sortie du président Gbagbo selon les révélations que j'ai eues cette nuit. Voilà. Je vais la réception. Bande de papato jaloux aigris. Voilà. Ok. C'est qui? Eh, Nkwain, excusez-moi. Hein. C'est qui? Bonjour. Je suis qui? Ah, depuis tout à l'heure. Mais je n'ai pas dit d'appeler pour intervenir, frère. C'était pourquoi? Dis-moi. Mais c'est vous avez été bloqué. C'est vous qui avez parlé des bagues? Ah, c'était une blague. On va vous débloquer. Non, laisse tomber, on va te débloquer. En tout cas, tu as été humble pour m'appeler, tu as compris? On peut avoir des mésententes, on est tous des frères, c'est pas un problème. Le fait que tu m'as appelé, parce qu'il y a trop de gens qui parlent de bagues, de babes, et à un certain moment, c'est gavant. Et comme on ne peut pas savoir que c'est une blague, je ne pas parler, je suis en train de parler d'un problème, nuit, un songe. Mais je vais demander à mes administrateurs de te débloquer, s'il te plaît. Voilà, on est des frères. Voilà, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Oui, sois béni. Bon, le frère m'a appelé, il dit que c'était une blague, comme il a été bloqué. C'est un frère, on peut faire par là, on se réconcilie. Moi, je ne suis pas rancunier.
Et les chargés de communication, débloquez les frères, s'il vous plaît. Je ne sais même pas si c'est moi qui l'ai bloqué. Hein? Débloquez-les. S'il vous plaît, débloquez-le. C'est un frère. Il a voulu faire une blague, mais c'est mal rentré dans ma gorge. Hein? Débloquez-le. On est des frères. C'est de ça même qu'il voulait parler. Donc, Dieu même a donné une illustration. Voilà. Moi, je ne suis pas rancunier. Je crie, et puis après, il passe à autre chose. Je ne suis pas rancunier. Débloquez-le, s'il vous plaît, si vous pouvez. Le monsieur, le frère qui a parlé des bagues, il dit que c'était une blague. Il a été tellement humble, il m'a appelé. Déjà, ça, c'est une très bonne chose. Moi, j'aime les gens comme ça. J'aime les gens qui sont simples, humbles. Même s'il avait insulté ma maman et puis il m'a appelé pour me demander pardon, c'est pas grave. On avance. Donc, débloquez-le. Je ne sais pas si moi, je peux le faire, mais moi, je vais commencer le direct. Donc, débloquez-le. Vous aussi, ne blaguez pas comme ça. Il y a des gens, hein, chargé de communication, il faut débloquer le monsieur qu'on a bloqué tout à l'heure, qui a laissé commentaire sur la bague. C'est lui qui vient de m'appeler. Il faut le débloquer. Ok, chers frères et sœurs, je voulais, après on va terminer par la prière, parce que après le coronavirus, après le confinement, il y a beaucoup de personnes qui sont... Il y a des gens qui ont perdu leur travail, de l'argent, qui ont déjà perdu beaucoup de choses. Mon petit exposé, je voulais juste donner les révélations que j'ai eues, hier. Excusez-moi. Oui. Le monsieur qui a parlé de la bague. Et tous sont des hommes. Pardon, faut voir. Moi, je suis en direct. Tu m'appelles comme ça. Toi, si tu as fait te gronder en direct. Gérer ça, vous êtes 3 ou 4 chargés de communication. Tu n'as pas besoin de m'appeler en direct. Donc, que Dieu vous bénisse. Après le... On va prier pour... Le confinement est fini, mais il y a des gens qui ont perdu leur travail, il y a des gens qui sont en souffrance actuellement, il y a des gens qui savent même plus, ils sont désorientés. Je vais faire une prière tout à l'heure, quand je finis l'exposé, je vais faire une prière pour ces personnes, que Dieu se souvienne d'eux. Je vais juste dire ce que j'ai reçu. Déjà, pour commencer, j'ai dû mettre la musique. Pour commencer, j'ai dormi très tard hier. Toute la nuit, j'étais éveillé. J'ai dormi vers 4-5 heures. Ceux même qui suivent mon Facebook peuvent voir que je faisais des publications dans la nuit jusqu'à vers 4 heures du matin. Je faisais des publications parce que je ne dormais pas. Je n'avais pas sommeil. Je n'étais pas en prière, mais je n'avais pas sommeil. Alors, je me suis endormi dans ma chambre. Je suis resté au canapé, je me suis couché et je me suis réveillé vers 8 heures. Je me suis réveillé vers 8 heures avec un songe qui ne m'a pas trop plu. Je me suis réveillé avec un songe. Ceux qui signalent la page, ceux qui mettent des têtes de mort, enfin ceux qui signalent la page, je vous conseille de ne pas le faire parce que ce que je vais dire, c'est pour vous aussi. Si vous êtes vraiment des Ivoiriens, quel que soit tous les bons que vous êtes, ce que je vais dire, c'est pour nous tous. Donc soyez... patient. Soyez juste patient. Voilà, soyez patient. Même quand on n'aime pas quelqu'un, des fois on essaie d'entendre ce qui est dans sa bouche. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ce qu'il va dire là, c'est pour nous-mêmes aussi. Voilà. Donc, ne soyez pas pressés. Signalez page, attaquez. Vous allez rater quelque chose. Parce que ce que je vais dire, vous ne savez même pas ce que je vais vous dire. Je ne suis pas venu attaquer quelqu'un. Je ne suis même pas venu parler de politique, attaquer quelqu'un. Au contraire. Donc, soyez patient, soyez sage dans votre vie. Souvent, écoutez. Voilà. Ça peut vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais que... le son, je ne vais pas l'expliquer. Hein. Ce n'est pas important que j'explique.
Mais quand je me suis levé, le message que j'ai reçu, c'est qu'il faut que je parle à mes frères ivoiriens, aux politiciens. Ce n'est pas au peuple, aux politiciens. Je vais aller droit au but. C'est vrai, le président Gbagbo est sorti. C'est vrai, le président Gbagbo vient d'avoir une sorte, une liberté, même si elle n'est pas totale, parce qu'il y a encore des combats, des choses à faire, mais il a une liberté que tout le monde souhaitait. Il peut se déplacer, il a ses papiers, il peut... Bon, quand Dieu commence, Dieu ne s'arrête pas en chemin, il va jusqu'au bout. Donc nous bénissons Dieu, nous le remercions pour vraiment d'avoir exaucé la prière de plusieurs personnes pour que ce monsieur soit enfin libre de circuler. Que ce monsieur soit libre de faire ce qu'il a à faire. Nous bénissons Dieu pour ça. Mais, si vous vous rappelez, on avait prié beaucoup pour que le président Gbagbo sorte de la CPI. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas. J'avais dit qu'il va sortir. J'ai reçu des appels, des messages. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Quand on a dit qu'il y avait l'appel, il y a des gens qui ont dit, homme de Dieu, tu as dit que Dieu a dit. Tu as dit que, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, Dieu m'a dit, il va sortir. Il est sorti de la CPI. Quand il est sorti, je suis venu m'asseoir. Pendant que vous étiez en train de chanter « Allons à Gagnoua, allons à Gagnoua », si vous vous rappelez, je vous rappelle les choses pour que vous puissiez prendre au sérieux ce que je vais vous dire. Quand vous étiez en train de danser « Allons à Gagnoua, allons », je suis venu vous dire que ce n'est pas fini, que c'est maintenant le vrai combat commence. J'ai fait un direct, ça est sur Facebook. Je suis venu vous dire ça. Et puis, ce jour-là, j'ai dit aussi au pro Gbagbo Ogor de faire attention parce que j'ai vu qu'ils vont se diviser. Ils vont s'éparpiller et ils vont devenir faibles. Personne ne m'avait écouté. Personne ne m'a pris au sérieux. Ce qui s'est divisé. Actuellement, je ne sais pas, ils sont en combien de morceaux. Ils sont divisés. Voilà. Donc, le monsieur dit n'a pas été débloqué. Eh, Nkwai, ma miao, mon cœur de truc à gentillesse là. Je lui ai dit n'a qu'à donner son nom de Facebook. Attends, il a l'appelé en même temps. C'est plus simple. Il y a des gens qui pensent que je l'ai appelé. Excusez-moi, c'est mon cœur qui est comme ça. Allô, monsieur. Oui. Il y a plusieurs personnes qui ont été bloquées. Est-ce que vous pouvez donner votre nom de Facebook? Ils vont vous débloquer. C'est grave, c'est pas grave. J'ai arrêté, j'étais en train de parler, j'ai arrêté exprès pour vous rappeler. Donc, donnez le nom. C'est mieux même, vous me le dites là, je vais dire à mon ami. Ou bien, hein? Parce que Akoun, c'est marqué Akoun. Akoun, ça s'écrit comment? A-K-O-U-N, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok, elle a compris, ils ont compris, ils vont vous débloquer. Soyez bénis. Donc, je disais que j'avais prévenu, j'avais dit que les gars allaient se diviser. Personne ne m'a pris au sérieux. En réalité, il y a beaucoup de choses que j'ai dit, personne ne m'a pris au sérieux. Personne. J'avais prévenu pour notre frère Watao. Personne ne m'a pris au sérieux. J'avais prévenu pour beaucoup de choses. Je ne vais pas les répéter si je ne suis pas venu pour ça. Personne. Les gens ne m'ont jamais pris au sérieux. C'est quand ça arrive que les gens disent hey, tu avais dit. Aujourd'hui, là, ce que j'ai reçu, je vais vous dire. Je vous ai rappelé ces choses pour que vous vous rappelez que je vous ai déjà dit des choses que vous ne m'avez pas écoutées. Le président Gbagbo est sorti. Actuellement, beaucoup de personnes, et il est libre, actuellement, beaucoup de personnes sont contents. Ils sont en train de danser. Mais moi, Dieu me prévient beaucoup d'avance et Dieu me révèle beaucoup de choses. Nous devrons prier. Nous devrons prier. Non seulement, nous devons prier pour lui. Et nous devons prier pour toute la Côte d'Ivoire. Et nous devons prier pour le gouvernement en place. Et nous devons prier pour la paix en Côte d'Ivoire.
Maintenant que le président Gbagbo est libre de circuler, c'est maintenant que tous les Ivoiriens doivent penser à ce qu'on appelle la paix, la vraie paix. La paix qu'on a laissée de l'autre côté. La paix, quand je parle de paix, parce qu'aujourd'hui là, je commence par les pro-Gbagbo ou par ceux qui supportent Gbagbo. Aujourd'hui là, ce n'est pas une affaire de vengeance. Ce que Dieu m'a montré en songe là, ceux qui vont s'amuser, qui vont avoir des cœurs pour dire c'est eux qui vont créer encore le désordre dans ce pays, Dieu va les frapper. Je suis sérieux dans ce que je vous dis. Quels que soient les bords, ce n'est pas une affaire de... Je ne suis pas venu défendre FPI, PDCI ou RDN. Non, je ne suis même pas venu pour ça. Je suis en train de parler à tous les Ivoiriens, surtout aux politiciens. C'est maintenant pour que le président actuel, les opposants puissent réfléchir pour pouvoir et puis se reconcilier. La Côte d'Ivoire là, ou pas, ça appartient à tous les Ivoiriens. Même si tu es fâché, comment tu peux pas éliminer tous les gens du RHDP. RHDP là, il y a Bété dedans, il y a Gouro dedans, il y a Djula, il y a Chrétien, il y a tout le monde dedans. PDCI aussi, il y en a. FPI, il y en a. Mais nous tous là-haut, on est tous des frères. Même quand on a crié, on a fait parler, on s'est insulté, on s'est attaqué, on est quand même des frères. Le pays là, ça nous appartient, nous tous. Hein. Ça nous appartient, nous tous. On criait tous parce que le président Gbagbo était en prison. On voulait qu'il sorte pour être libre. On voulait ça. Il nous a exaucé, il a donné. Mais ne profitez pas de cette liberté pro Gbagbo FPI. Il est sorti. On va sortir. Maintenant, c'est notre tour. Si vous faites ça, Dieu va enlever sa main sur vous. Si vous faites ça, le combat que Dieu avait commencé pour vous là, Dieu va se retirer. Vous devrez maintenant avoir ce qu'on appelle, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le vrai pardon. J'ai dit le vrai pardon. Et penser et prier pour la vraie réconciliation. J'ai dit la vraie. Je n'ai pas dit la copie, la vraie. Où même les prisonniers vont sortir. Où ceux qui sont exilés vont rentrer. Où le président Gbagbo est libre de gérer son parti. Où Blaise Goudé est libre d'exercer sa politique et son parti. Où Soro Diop est libre d'exercer. Où le RHDP est libre d'exercer. Où on ne prend plus les armes. On ne se bat plus. On ne se tue plus. Mais on s'assoit, on parle, on parle sur les télés ou quoi, mais ça reste démocratique. Et puis tous les Ivoiriens sont à l'aise. Et puis notre peut connaître ce qu'on a connu. Les gens, je quitte du côté de FPI, je viens du côté de RHDP. Ne dites pas que non. Gbagbo va venir, donc les gens là, on va se préparer. Ce qu'ils vont voir, s'ils veulent, on va faire ça. Ça sera provoquer une autre guerre. Parce que je vais vous dire en vérité, aujourd'hui où on est là, personne ne va se laisser faire. Le PDCI ne se laissera pas faire. Le FPI ne se laissera pas faire. Et vous aussi, laisser faire, mais dans ces conditions, on va aller où? Une deuxième guerre, c'est une autre guerre pire que ce qu'on a connu qui va venir. Ou est-ce que une leçon et on s'est dit bon, trop fatigué, on s'est insulté, on s'est attaqué, chacun a commis des erreurs. Nous tous, on a fait des conneries.
Il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. On l'a fait. Les Ivoiriens ont souffert. Maintenant là, allons-y droit au but. Allons-y à la paix. S'il vous plaît, on le dit, c'est quelle palabre qui finit pas, sa durée. Les Ivoiriens, actuellement là, pendant que d'autres même dansent, pour dire que Gbagbo est sorti, d'autres ont peur. Le ventre, ils ont la peur dans le ventre. Il y a d'autres même, ils vont commencer à préparer leurs affaires pour quitter le pays. Il y a d'autres qui vont se demander, est-ce que ce pays-là ne va pas se mélanger? Il y a d'autres même là, ils se disent, si je suis intelligent, je vais aller me poser quelque part d'abord pour voir. Or, on n'a plus besoin de ça. Ce qu'on a besoin là, c'est que tous ceux même qui sont réfugiés, tout ça, ils viennent. Je demande au gouvernement qui est en place de mettre vraiment de l'eau dans son pain. Tous les opposants, ne vous appuyez plus sur ce qui a provoqué la guerre. Ne vous appuyez plus sur ce qui... Chacun va dire ça. Chacun va dire raison. Vous tous, vous avez tort. Mais les Ivoiriens, c'est eux qui sont au milieu. Et ce n'est pas bon. La Côte d'Ivoire, que actuellement le gouvernement a arrangé goudron, il a mis tout ce qu'il faut. Est-ce que s'il y a une guerre encore, on ne va pas perdre toutes ces choses-là? On ne va pas perdre toutes ces choses. Donc, je ne demande pas aux politiciens des partis différents de ne pas mener leur combat. Continuez à lutter pour le FPI, lutter pour votre candidat. Continuez à lutter pour Blé Goudé. Continuez à lutter pour Soro Diom. Continuez à lutter, que chacun lutte. Vous avez le droit, c'est votre droit. Vous avez le droit. Celui que Dieu a choisi, qui doit veiller sur ce pays, qui doit gérer ce pays, c'est lui qui va gérer ce pays. Qu'un homme veuille ou pas, que tu sois fâché, que tu sois content, celui que Dieu a prévu, c'est lui qui va être gérer ce pays. Où on est, Dieu lui-même, si le président Gbagbo n'est pas mort pendant le bombardement, il n'est pas mort à Korogo, il n'est pas mort à la CPI, il n'est pas mort en Belgique, et puis aujourd'hui, vos prières sont exaucées, il y avait Dieu dedans. Donc ce Dieu-là, ne le mettez pas de côté. Le président Alassane, la Bible dit que si Dieu n'a pas établi quelqu'un, il ne peut pas être établi. Qu'on t'aime ou pas, qu'on l'aime ou pas, qu'on l'attaque ou pas, si Dieu n'a pas voulu qu'il soit là, il ne serait jamais là. Peut-être que Dieu l'a amené pour nous punir. Peut-être que Dieu l'a amené pour nous enseigner. Peut-être que Dieu l'a amené aussi parce que Dieu voulait faire quelque chose. Mais si Dieu n'avait pas voulu, le Dieu qui est dans le ciel, là, s'il n'avait pas voulu, quel que soit tout, le président Alassane ne serait pas là aujourd'hui. C'est Dieu qui sait quelle est sa fin, comment il va partir. On peut crier ce que Dieu a prévu. Un homme ne peut pas le déranger. Mais on ne se met pas dans la parole de Dieu. Bref, ce que moi j'ai vu, je ne vais pas vous expliquer mon songe. Mais en résumé, je suis venu vous dire que c'est le moment de prier. Voilà mon message même d'abord. C'est le moment de prier. Priez déjà pour la protection du président Gbagbo. Vous qui le suivez là. Priez pour lui. Parce que vous qui suivez Gbagbo, la plupart j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop intelligent. J'ai l'impression que certains aiment danser. Certains aiment crier. Ils pensent qu'ils sont les enfants chéris de Dieu. Ils sont la prunelle de l'œil de Dieu. Mais vous êtes des humains comme tous les humains. Donc réfléchissez puis soyez sages. Voilà, c'est important. C'est pas parce qu'on dit les libérés que ça veut dire la sécurité. C'est pas parce qu'on dit les libérés qu'il est libre que ça veut dire qu'il n'a plus d'ennemis. C'est pas parce qu'on dit il est libre que ça veut dire que ceux qui l'en veulent ne l'en veulent plus. C'est pas parce qu'on dit il est libre qu'il n'y a pas de piège sous son chemin. Donc c'est vous qui devrez être intelligent. Au lieu de sauter, danser, toujours vous dansez seulement. Dansez, réfléchissez. Comment on va protéger le monsieur? Comment on va soutenir le monsieur? Comment on va bien faire? C'est ça. Au lieu de danser là, faites marcher votre tête un peu seulement. Pardon, ce n'est pas un jeu. C'est pour vous aider que je parle. Ne vous fâchez pas. Nous prions
que le gouvernement arrête son conflit avec Soro Diom. Parce que Soro Diom ne baissera jamais les bras. C'est un fils de la Côte d'Ivoire. Et il veut être président. Et il s'est battu toute sa vie peut-être pour ça. Donc que le gouvernement veuille ou pas, je pense qu'ils doivent gérer cette situation. Parce qu'il y a Soro Diom, il y a FPI, Babo, il y a RHDP, il y a Bédier, sans connaître tous les autres partis qui sont là. Bon, si chacun veut s'enflammer, nous on fait quoi maintenant? Donc, moi je parle en tant qu'homme de Dieu. Là, quelqu'un ne va pas venir dire, tu as parlé de politique, tu as parlé de politique. Moi, je sais que des fois, ce genre de paroles, ça ne plaît pas à certains. Parce qu'il y a des fanatiques. Il veut que tu t'assoies pour parler, pour défendre Alassane. Il veut que tu t'assoies pour défendre Gbagbo. Il veut que tu sois comme eux. Moi, je ne suis pas un fanatique de qui que ce soit. Donc, je ne peux pas être comme vous. Quand moi je viens, je dis ce que Dieu m'a mis à cœur. Ça peut-être ne pas ce que toi tu veux entendre. Donc, toi, tu vas faire ton direct. Et puis, tu vas dire ce que toi, tu as envie de dire. Si tu veux inciter par là, tu veux dire prenez les armes. Toi, tu fais pour toi. Mais moi, c'est ce que moi. Ma corde est un fil. Elle est sur un fil. Un fil. Elle est sur un petit fil comme ça. Vous ne savez pas combien d'armes qui sont cachées. Vous ne savez pas comment les gens se sont préparés. Vous ne savez pas comment les opposants se préparent. Vous ne savez pas comment ceux qui sont au pouvoir se préparent. Elle est sur un fil. Un fil. Si on dit il y a palabre, il y a guerre, là, mon frère, tu es RHDPO, tu es PDCIO, tu es FPIO, la balle ne va pas te choisir. Ça ne va pas choisir une autre personne pour laisser tes parents. Toi-même, là, tu vas avoir pour toi dedans. Si le pays là est gâté, là, c'est pour nous tous. On fait nos petits palabres. On attaque. Mais maintenant, Gbagbo a une liberté. Donc, moi-même, là, personnellement, comme je ne suis pas dans la partie de quelqu'un, je peux dire même que moi-même, mon palabre est fini. Ça veut dire que mon combat est fini. Parce que le monsieur, il a une liberté. Donc, je ne vais pas m'asseoir encore pour dire, parce que je ne suis pas du... Même pas FPI, là, ça marche comment? Il y a des choses, si demain il y a une injustice, peut-être j'ai ouvert ma bouche pour parler. Mais ce qui me concerne, mon cœur est paisible. Il n'y a pas deux semaines de cela. Je me suis assis ici, sur mon fauteuil de mon bureau. J'ai dit Gbagbo sera libéré. Totalement libre, il va rentrer dans son pays. J'ai dit Blé Goudé, j'ai même parlé de Soros. Ça s'est accompli. Ça vient de s'accomplir. Les gens qui ont suivi le direct, vers la fin du direct, j'ai dit ça. Ça s'est accompli. Donc pour moi là, mon combat est fini. Ça veut dire que moi, je ne suis pas dans un parti pour dire non, maintenant, là, Gbagbo est venu. Oh, il y a des gens du FPI qui ont la haine. Gbagbo est venu. On va prendre Gbagbo comme fusil pour aller bombarder tout le monde. Arrêtez ça. Il y a des gens aussi du RHDP qui ont la haine. Gbagbo, là, il est sorti. On est prêt. On va lui montrer ce qu'il n'a jamais vu. Et bien, ces gens, arrêtez. Et puis, il y a nos frères soroïdes qui sont là. Ils disent, ceux-là, c'est prêt pour qui même? Nous, on ne peut pas rentrer. Nous, on se prépare. On va les montrer. Et puis, il y a les gens de Bédier aussi qui sont là. On vous regarde, mais nous aussi on est prêts, on vous regarde. Bon, chacun est prêt, chacun se prépare. Personne n'est bête. Donc, s'il vous plaît, prions pour notre pays. Nous qui ne faisons pas de politique, c'est le maintenant là qu'on doit arrêter de bla bla et prier. C'est maintenant, on doit arrêter, allons à Gagnoua, allons à 200. Gbagbo là, ce n'est pas votre matière. Hein. Ce n'est pas votre fusil. Arrêtez de vous cacher derrière le dos de Gbagbo pour manger votre piment. Arrêtez de manger votre piment dans sa bouche. C'est femme qu'il a mis au monde. Il a sa vie aussi. Il a déjà souffert. Vous avez compris? Toutes les souffrances qu'il a eues là, il a déjà souffert. Maintenant là, ne le prenez pas pour faire votre palabre. Faites votre palabre politique comme il faut. RHDP aussi. Mettez de l'eau dans votre vin. Mais Keba, Moulo, aïe! Ce n'est pas vous-même qui dites carrément. Mettez de l'eau dans votre vin un peu, on va quitter là. Pays là a connu guerre. Pays là a connu souffrance. Les gens, même aujourd'hui, ils se cherchent encore. On vous dit, mettez de l'eau dans votre vin. Vous êtes toujours là. Ils vont voir. Ça vous donne quoi même? La haine là. Vous dites,
que vous êtes ivoirien. Et puis, certains d'entre vous ont la haine comme ça, la haine, la haine. Ivoirien contre ivoirien, la haine. Mais on va s'entretuer, on va brûler le pays là. On va détruire le pays là et puis après pays pour quelqu'un. Ça vous donne quoi même? Le pays n'appartient pas à une seule personne. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je retourne maintenant chez mes frères pasteurs. Dans mon songe, voilà ce que je vais vous dire. Tous les religieux, imams, pasteurs, c'est le moment de prier. C'est le moment de dire à vos fidèles de prier. En plus, c'est le moment de nous asseoir pour renouveler notre foi. On a été dans les bassesses. On a été dans trop de conneries. C'est le moment de nous asseoir pour dire Dieu est Dieu. Parce que quand ça va frapper un jour, nous serons les premiers. Dieu va nous châtier, nous d'abord, nous les hommes de Dieu, avant même de frapper qui que ce soit. Donc nous, ce qu'il a reçu, on a qu'à commencer à prier. On a qu'à commencer à dire aux enfants de Dieu, que ce soit à la mosquée, que ce soit à l'église, de prier. Et puis, les petits palabres, je ne parle pas des palabres de mamayeur avec vrai pasteur. Je ne parle pas des faux qui ne sont pas serviteurs de Dieu. Je parle des vrais serviteurs de Dieu, les vrais oints de Dieu. Ceux que Dieu a vraiment appelés. C'est le moment de vous unir. Je ne parle pas de, oui, un sorcier ou un vaudou qui va venir dire, on va s'unir. Non, 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 non. Je parle des vrais serviteurs de Dieu. Ils n'ont qu'à commencer, hein, ils n'ont qu'à commencer à s'unir. Voilà. Il y a un monsieur qui laisse commentaire là. Attends, je vais voir. Il dit, c'est vous les pasteurs. Ce monsieur-là, je vais le bloquer. Bloquez-moi Ibrahim Fofana. Il est où? Bloquez-moi Ibrahim Fofana. Je n'ai pas besoin de ses commentaires ici. Comme il est bête. Et puis tout ce qu'on dit, il ne comprend pas. Il boit l'eau dans son nez. Tu es bête. Toi-même, si tu es ivoirien, même avec ton nom là, tu es ivoirien. C'est vous comme ça qui fait que j'insulte là. Insulté. Batra de Nyamukodin, Silandre, Tete Djougou, Ala Djougou. Voilà. Je vais t'insulter. Bien. Tu crois que tu aimes pas là? Tu aimes la guerre? Tu veux parler de paix ici là? Ton nien là, tu viens t'asseoir pour laisser des commentaires à la con. Vous croyez que quoi même? Quand les gens parlent de paix ou de tranquillité, c'est parce qu'ils ont peur? Tu crois que quoi? C'est toi ceux qui s'est attrapé couteau. C'est toi ceux qui s'est attrapé fusil. C'est toi ceux qui a bras pour donner coup de poing bien force. On parle de tranquillité, de paix, un chien comme toi. Au lieu de dire oui, c'est vrai, tu ne sens pas du pays déjà. Tu viens laisser tes commentaires à la con. Tu es quitté où même? Tu es quitté dans quelle frontière pour venir t'asseoir en Côte d'Ivoire? Batra de Ibra Fofana. Je dis ton nom, comme ça tu vas savoir que t'es insulté. Nyamukode, Batra de Tete Djougou, Silandre, Ala Djougou. Je t'ai insulté en Doula. Comme ça va te faire mal. Il est où même? On parle de quelque chose comme ça, c'est vous les pasteurs là qui êtes des menteurs, tes imams là. Quand toi tu es musulman et puis tu viens dire que les pasteurs sont tes imams sorciers, tes imams marabouts, tes imams là qui cachent les âmes à la mosquée pour faire guerre là, tes imams qui vont prêcher la haine à la mosquée là, on parle d'eux ici? On parle d'eux ici? Tu crois qu'on a peur ou quoi? Toi, parce qu'ils m'assoient pour parler de paix, toi tu as même pas ouvert ta bouille et te regarder? Tu crois que si je m'assois ici, je n'ai rien à faire? Chien pourri, je te dis ça. Tes imams là, il n'y a pas plein d'imams qui parlent de politique, il n'y a pas des imams qui prêchent le RHDP, il n'y a pas des imams qui disent aux gens de prendre des armes. Tes imams là, ils disent la vérité, et tous. Imams menteurs, imams marabouts là, il n'y en a pas plein. Imams féticheurs, il n'y en a pas plein. Alors viens pas m'aider les gens ici. Vous prenez pour qui même? On est en train de parler, c'est toujours vous, vous avez des dents pourries. Après, vous mangez des cabatons pourris à la con. C'est vous qui venez ouvrir vos bouches. Même quand on parle de paix, vous venez ouvrir. Espèce de sanguinaire. Petit bâtard. Tu es venu par les âmes, non? On est en train de te parler là. Tu as fait échanger mon message. Je te limé. Tu es qui, toi? Vous êtes trop con. Bête que vous êtes. J'ai dit ton cabaton là. Tu mets dans ta bouche, mais dans tes fesses. Tu es chiant, quoi. On est en train de parler de quelque chose de paix. Tu viens, tu commences à mettre des commentaires. C'est vous les pasteurs là. C'est vous les pasteurs qui êtes des menteurs. Donc toi, tes imams là, ils tous disent la vérité. Imam qui fait. Est-ce que l'islam dit de faire maraboutage? Islam dit quoi? D'aller chez marabout? Islam dit de faire fétiche? Tes imams qui ont plein de fétiches, de gris-gris sous leurs mains là. D'autres mains vendent drogue.
D'autres vendent des âmes. D'autres même, c'est à la mosquée, on cache les âmes. Alors, est-ce que nous, on parle d'eux ici? Vous êtes qui pour venir toujours attaquer les pasteurs? Je continue. On te parle des pasteurs, c'est vous les pasteurs. Toi, t'es qui pour même parler des pasteurs? Tu es malade? En tant que musulman, tu as le droit de parler des pasteurs? Va parler des imams là-bas. Tu es qui toi pour même parler des pasteurs? Tu as fini ta baissée, fais ton Allah Akbar. Laisse-nous en parler pour nous. C'est quoi ça? N'y quoi? Moi là, je suis une épée à double tranchant, ma bouche ne porte pas caleçon. Quand on me voit faire mes trucs là, laissez-moi avancer dans mes trucs. Tu viens, tu laisses tes commentaires à la con. Je t'ai invité ici. Si tu as envie de faire la guerre, reste chez toi, tu ne m'écoutes pas. Tu prends fusil, les hommes vont prendre fusil. Tu prends couteau, les hommes vont prendre couteau. Tu t'arrêtes devant moi, actuellement là, il n'y a pas quelqu'un qui va se laisser faire. Donc si c'est ça que vous voulez là, ça va s'entretuer. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur de quelqu'un, c'est avant. C'est fini. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu es un danga. Tu es un danga, un batra, parce que tu n'as rien compris. Vous croyez tous les... Qu'on parle là, au lieu d'encourager les gens, vous venez. On défend la justice et vous venez. Mais vous buvez l'eau dans vos... Hey! On me provoque, hein? Vous croyez que quoi? Un chien comme ça là, batra d'un, tu as fini de manger de ta main sale, sale que tu prends pour manger dans ta bouche là, tu as fini de laver ça. Quand on me cherche, on me trouve. Quand c'est vous les pasteurs. Je ne permets pas à un musulman d'attaquer un pasteur. Impossible. Un musulman, s'il va attaquer quelqu'un, il attaque ses imams. Laissez-nous entre nous, pasteurs et chrétiens, régler nos problèmes. On ne va pas chez vous pour régler vos problèmes. Laissez-nous régler nos problèmes. T'as compris? Laissez-nous régler nos problèmes. Entre nous, pasteurs et chrétiens, on règle nos problèmes. Réglez vos problèmes de la mosquée. Réglez vos problèmes avec vos imams, avec vos fidèles. Vous n'avez pas le droit de toujours parler sur les pasteurs. Tout le temps, pasteur, 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 pasteur. C'est quoi? On est des poubelles ou quoi? Nous, les pasteurs, on n'est pas l'homme. Vos imams qui mettent, il y a des imams qui mettent koutoukou dans Seridaga. Ils mettent bière dans Seridaga. Est-ce que l'islam dit de boire? Vous, les musulmans qui cherchez les petites filles partout, vous êtes dans les bars, bien devant vous. Vous dites, vous êtes des gens, vous êtes croyants, vous priez. Même dans carême, vous cherchez femmes des gens. C'est vous qui venez ouvrir votre bouche ici là pour parler. L'islam dit, tu n'as même pas le droit de saluer comme ça une femme qui n'est pas ta femme. C'est pas vous qui baissez les petites filles à Abidjan là-bas. Avec bien, koutoukou partout. Toi, tu as venu parler des pasteurs ici. Tu as fini de régler ton problème de l'islam. Laisse les pasteurs tranquilles. Hein. Moi, je peux parler des pasteurs. Par exemple, moi, je suis pasteur. Je suis chrétien. Toi, tu es qui? Tu es musulman. Va régler tes problèmes là-bas à la mosquée. Les pasteurs, c'est mes frères. Les chrétiens, c'est mes frères. On s'attaque entre nous, on se parle entre nous, on règle dans le pied, on va avancer. Tu as quoi dedans? Vous, les pasteurs et tes imams. Donnez des conseils à vos frères là. Hein. Donnez des conseils. Attends, je vais... Tous ceux qui mettent tête de mort là. Il est bloqué. Pareil, comme ils pensent que direct là, c'est pour leur père ou leur mère, ils sont dessus là. Il est vous bloqué. Voilà. Moi-même, je peux vous bloquer ici. Moi là, quand on me cherche, on me trouve. Voilà, c'est pas compliqué. Ils sont où? Il y a quatre têtes de mort. Excusez-moi, il est bloqué, puis il est terminé. Fofana, je sais pas quoi. Après, ne m'appelez pas pour dire non. J'étais en train de plaisanter. Tu as planté à ton père, tu as planté à ta mère. C'est pas à moi. Allez, bloqué. Dégage de là. Point. Y'a qui encore? Y'a vous bloqué. Ici là, c'est mon direct. Je peux faire ce que je veux avec vous. Allez-y chez vous là-bas. Quand vous faites vos directs là, vous ne me voyez pas là-bas. On parle de paix ici. Toi, tu viens embêter les gens. On dit aux gens de prier. Dans ce qu'on dit là, c'est quoi qui est mauvais? Et puis tu viens laisser tes commentaires là. Quand tu es bête, tu n'es pas là à l'école ou quoi? Ta maman t'a pas bien éduqué. Chien pourri. Allez, toi aussi, tu te bloques. Dégage là-bas. Voilà. Aïcha, Aïcha. Allez, dégage Aïcha, Aïcha. Voilà. Point. Je vous bloquer bien même. Venez, je vous bloquer seulement. Voilà. Et mes chargés de communication, bloquez-les aussi. Pendant que moi, je bloque, vous les bloquez. J'ai terminé mon direct tout de suite. J'ai mes réceptions. J'ai pas le temps à perdre avec les conneries comme ça. Et j'ai même, ils n'aiment pas vérité. On ne peut même pas parler.
On ne peut même pas parler de quelque chose. Tu parles de paix, oh, ils vont venir ouvrir leur bouche. Tu parles d'amour, oh, ils vont ouvrir leur bouche. Tu dis aux gens de ne pas se faire du mal, oh, ils vont venir ouvrir leur bouche. Des chiens comme ça. Alors, chargé de mission, il y a un qui s'occupe spécialement de bloquer. Moi, je vais continuer mon direct. Voilà, parce que ça, s'occupe. Moi, je fais ici. Vous faites pour vous. Et puis, vous bloquez tous les mauvais commentaires, tous les têtes de mort. Tout ce qui est tête de mort, vous bloquez. Si c'est trompé, vous le bloquez. Voilà. Donc, je dis au pasteur, mes frères, c'est le moment, je ne parle pas des faux pasteurs, je ne parle pas des escrocs, je ne parle pas des mamailleurs, celle-là, il est déjà bloqué. Je parle de tous les pasteurs, voilà, qui sont des vrais hommes de Dieu. De prier et de trouver un moyen de créer le vrai réveil spirituel. Le vrai réveil, amener le peuple à la prière, amener le peuple au réveil, comme dans les années 80. C'est le moment. Ainsi, des faux musulmans qui sont ici, parce que c'est le sang qu'ils boivent, c'est la guerre. Quand on parle, dans tout mon message que j'ai dit là, il n'y a pas attaque. On n'est pas en train d'attaquer quelqu'un. Mais tellement ça allait faire mal. Peut-être que Babo est libre, là, ça vous fait mal aussi. Ça quoi, ça vous venez insulter pour rien. Mais il est libre. Et ça là. C'est Dieu qui fait les choses. Hein. C'est Dieu qui fait les choses. Que vous ne soyez pas content, Dieu l'a déjà fait. Celui qui doit gouverner le pays là, que vous soyez content, que vous ne soyez pas content, Dieu l'a déjà fait. Vous avez compris? Donc, moi, je suis venu donner mon message. Je n'ai pas expliqué mon rêve. Dieu ne me donne pas la permission d'expliquer mon rêve. Il est personnel. C'est juste mon message aux politiciens, aux Ivoiriens, aux gens des partis et au corps de Christ que je suis venu laisser mon message. Je ne vais pas tarder parce que j'ai mes réceptions bientôt. Pendant que je parle, je bloque. C'est intéressant. Hein? Voilà, pendant que je parle, je bloque. Il y a d'autres, même, eux-mêmes, ils s'enfuient, ils se bloquent eux-mêmes. Bah, ils ne veulent pas qu'on les bloque. Il y a d'autres qui sont en train de disparaître. Ils ont mis tête de moi, ils sont en train de se débloquer eux-mêmes. Ils sont en train de se bloquer eux-mêmes. Vous n'avez pas dit, vous êtes garçon, restez là. J'ai votre médicament. Les chiens pourris comme ça. Là. Quand on parle de paix, vous provoquez des gens. On parle d'amour, vous provoquez des gens. On parle de Dieu, vous provoquez des gens. On parle de politique. Ah, oh, là, c'est pire. On parle des gens qui souffrent. Aïe, là, c'est pire. Mais vous êtes comment même? Bande d'assassins, Nina Dosso. Regarde-moi une fille comme elle a nom, Nina Dosso, tu n'as pas honte. Dégage de mon direct. Voilà. Mais là, je vais vous livrer en public comme ça. Nina Dosso. Vous croyez que quoi? Facebook là, nous on s'est touché. Hein? Ah. Nina Dosso. Maintenant, je dis votre nom avant de vous bloquer. Tous ceux qui mettent tête de mort. Nina Dosso. Voilà. Il y a qui encore? Parmi les autres, j'ai déjà bloqué. Voilà. Doom. Doom Verratti. D-O-U-M Verratti. Allez, dégage. Ce direct n'est pas pour toi. Tu n'as rien à faire ici. Ici là, on ne boit pas Nancy Guy. Dégage. Alors vous me provoquez là. Moi ma bouche ne boit pas caleçon, hein. Donc quand vous me provoquez, moi je parle. Et puis ça vous fait mal. Voilà, c'est comme ça que je suis. Donc mes frères, mon message est passé. Je vais prier tout à l'heure pour après le corona. Je vais prier pour après le corona. Je laisse mon téléphone allumé. Je vois tête de mort, je m'en vais et bloque. Donc, attends, je vais le placer au niveau du blocage. Excusez-moi, hein. Comme ça, je ne vais plus chercher beaucoup. Je vais le placer au niveau du blocage. Comme ça, il est prêt. Dès qu'il voit, net, bah, il appuie dessus. Et puis, il continue. Voilà. Voilà un autre qui est venu encore. Ne vous inquiétez pas, ici là il y a un téléphone. Voilà un, voilà deux, voilà trois. Il y a un autre qui arrive encore. C'est pour bloquer là, c'est même pas un problème pour moi. Ah, merci beaucoup. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais bien positionner le truc. Voilà, c'est comme ça, nickel. Voilà, c'est ok. Il y a un autre qui est venu tout à l'heure là. Lui aussi il va disparaître. Doom, Issouf, dictateur. Yeah!
Issouf dictateur. Ça, c'est un nom de drogué, ça. Issouf dictateur. Franchement, quand tu vois, mais tu sais, c'est un drogué mal, mal. Et puis, en plus, ça doit être... Non, vraiment, ça, c'est pas un Ivoirien. Allez, dégage, dictateur. Va être tête de mort. Voilà. C'est comme ça. C'est prêt. Ça est là, ça vous attend. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, j'ai fini, mais je pense que j'ai tout dit. Bah, je vais pas perdre le temps avec tous ces microbes-là. Des gens qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas la paix, qui n'aiment pas la tranquillité. Tout ce que tu es en train de dire, les énerve. Pour terminer, vous comme ça, que je suis en train de voir vos comportements-là. Pour terminer, regardez, je vous attends, hein, c'est prêt. Vous voyez bien, non? Dès que je vois ta tête de mort, tu sautes. C'est là. Regardez ici, là. Tout ça, c'est tête de mort. C'est tête, tout ce qu'il a que je vois. Tête de, dès que je vois, pas, il appuie dessus et puis je te jette. Il n'y a pas de problème. Viens encore. Donc, un homme de paix ne fait pas ça. Donc, un homme de paix, il est là quand il parle et puis on l'incite, quoi. Un homme de paix ne fait pas ça. Eh, hey, bloquez-moi cette personne-là. Où elle est? Je l'ai bloqué. Un homme de paix ne fait pas ça. Toi aussi, tu sautes. Je vais vous montrer que vous êtes bizarre. Un homme, toi, tu es venu me donner une leçon ici. Va donner une leçon à tes Doumbia, empereur, dictateur, là. Va les donner une leçon là-bas. Il faut les dire, non, qu'elle est bien éduqué. Voilà. Le commentaire là, il est où? Bloquez-moi. Lui, occupez-vous de lui. Moi, je vais continuer. Voilà. Donc, il y a des gens, la vérité les fatigue. Il est où? Un homme de paix. Je ne vois pas ici. Bloquez-le là-bas. J'ai fini. J'ai dit à mes frères ivoiriens, je répète, prions pour la paix. Prions pour que ce qu'on a vécu avant ne revienne pas. Prions pour nos autorités. Prions pour nos politiciens qui mènent leur combat, voilà, il y a un autre, qui mènent leur combat et que ce combat-là, ils le mènent vraiment d'une manière politique afin qu'aucun Ivoirien ne puisse en souffrir. Voilà. Afin qu'aucun Ivoirien ne puisse en souffrir. Très important. Voilà. C'est très, 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 très important ce que je vous dis. L'imalisme, dégage. C'est très, 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 très important. Allez, petit drogué, va fumer ailleurs. Vous avez compris? Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse chaque Ivoirien, que Dieu bénisse la vie de tous ceux qui font la politique. Donc, pour terminer, quand tu vois des têtes de mort et tu vois des gens comme ça, pendant que tu es en train de parler de paix qui vient, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté qui ne souhaitent pas la paix. Ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Il y a des gens du RHDP, tous les noms que j'ai cités là, c'est le nom de Goula. Tous les noms que j'ai cités. Il n'y a pas un nom Baoulé. Il n'y a pas un nom Bété. Tous les noms de ceux que je bloque qui insultent ici, Alfred, là, c'est le nom de Goula. Vous voyez? En fait, il y a des gens qui ne souhaitent pas la paix. Il y a des gens, la paix ne les arrange pas. La guerre va les faire voler. Ils vont croire que ce n'est pas la guerre qu'ils vont pouvoir régner. Ça ne les arrange pas. Parce que dans la paix, ils ne peuvent pas gagner. Et puis, il y a des gens aussi, c'est comme la lumière et les ténèbres. Il y a des gens que la lumière dérange. Parce qu'ils savent que eux, ils sont des enfants de ténèbres. Donc, quand ils parlent de lumière, quand tu parles de prière, ça les dérange. Vous voyez? Ça les dérange. Donc, il y a des gens comme ça. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Qu'il y a des gens qui sont là. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est que des gens meurent. Pour qu'eux, ils puissent s'asseoir. Mais ça n'arrivera pas. C'est vous-même qui allez mourir. C'est une prophétie qui va se réaliser. C'est vous-même qui allez mourir. Vous qui souhaitez la raison du plus fort, la force, la guerre ou autre chose là, c'est vous qui allez perdre votre vie. C'est vous qui allez tomber très mal. C'est vous qui avez regretté, qui allez regretter de n'avoir pas écouté les gens quand ils vous parlaient de tranquillité et de paix. C'est à vous, ça va arriver. Voilà. C'est vous. Parce que ce que tu aimes là, c'est ça que tu vas manger. Bien même, sérieux. Tu vas manger quand tu vas apprécier. Voilà. Tout ce que j'ai bloqué ici là, c'est non. Bizarre, bizarre, je ne sais même pas si c'est ivoirien. On dirait des gens qui sont venus, on les a donné carte dentée, ils sont dans le pays. Donc, pour eux, là, la paix ne les arrange pas. Il faut que le pays soit détruit
Bah, ils ont fui leur pays pour les asseoir là. Le pays va détruire et puis ils vont pouvoir régner. Donc, ce que vous voulez là, les gens vont vous donner ça bien sérieux même. Bien même. C'est-à-dire que vous avez fait des mauvais rêves. Donc, calmez-vous. Parce que Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Vous n'aimez pas la vérité, mais la vérité va rentrer dans votre os. Point. Alors, mon chargé de communication continue de bloquer. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, je vais faire des annonces et puis je vais prier pour les gens qui sont en souffrance pour après le confinement. Demain à 21h, on a un direct. Demain à 21h, on a un direct de témoignage et d'action de grâce. Voilà. Témoignage et action de grâce. C'est-à-dire que on a fait beaucoup d'actions prophétiques et puis on a fait beaucoup de dons. Tous ceux il y a des gens qui ont fait des rêves, il y a des gens qui ont tout. Bon, tous ceux qui vraiment ont reçu quelque chose de particulier, qui veulent en parler demain, dans le direct de demain 21h, on en parle. Et puis on va faire une prière d'action de grâce. Ça, c'est la première annonce. Alors, si Dieu veut, le week-end prochain, je fais une réception à Paris. Si Dieu veut. Voilà. Si Dieu veut. Alors, tous ceux qui veulent que je les reçoive pour prier pour eux, vous pouvez prendre, vous pouvez vous inscrire déjà chez la secrétaire. Vous pouvez vous inscrire chez la secrétaire. Voilà. Donc, tous ceux qui ont besoin de me rencontrer, tout ça, vous pouvez vous inscrire chez la secrétaire. Alors, je prépare une retraite spirituelle, le troisième annonce, je prépare une retraite spirituelle. On a fini notre jeûne de 10 jours. Et je prépare une retraite spirituelle personnelle. C'est-à-dire que moi-même, je vais me retirer pour prendre de une à, comment dirais-je, voilà, comment elle s'appelle celle-là? Regina Chalet. Hey, Yako, j'étais bloqué, Regina. Voilà. Donc, je prendrai un moment de retraite spirituelle. Alors, tous ceux qui ont un sujet particulier, qui voulaient que pendant cette retraite spirituelle, je puisse prier pour eux, eux aussi peuvent déjà commencer à donner leur nom à la secrétaire, parce que je ne vous donne pas la date pour le moment, mais je vais me retirer. Je vais me retirer, je ne vous dis pas où. Ça peut être en France, ça peut être ailleurs, mais je dois me retirer pour prendre un moment de prière très sérieux, chercher la face de Dieu, et prier pour plusieurs sujets. Alors, ceux qui veulent me donner leur sujet de prière, pour que pendant ce moment, je prie pour eux, vous commencez déjà à faire une liste avec la secrétaire. Comme ils ont enlevé les 100 km, donc ce qui fait que, si Dieu veut, le week-end prochain, je risque de faire 2 jours de réception à Paris. Je ne pourrai pas peut-être prendre tout le monde, et puis ça sera filtré. Voilà, ça sera vraiment filtré. Donc, je ne peux pas prendre tout le monde. Sera très filtré pour que je puisse prendre des gens puis prier pour eux. Voilà. Donc ça, je finis la dernière annonce, c'est que on prévoit aussi un très grand programme à Paris avant la fin de l'année. Je vais d'abord finir ma retraite spirituelle et on va prendre une salle. On a déjà eu une salle même. Une salle même qui va être notre salle de prière pour l'équipe qui est à Paris bientôt. Et voilà, parce qu'on a une équipe à Paris. Il y a des gens que je dois consacrer, former, tout ça, qui vont gérer l'œuvre de Paris. Moi-même, je serai régulièrement là-bas. Comme je suis un missionnaire, je bouge beaucoup. Je ne peux pas m'asseoir dans une seule place. Donc, partout où j'ouvre une œuvre, j'établis quelqu'un. Je prie pour la personne. C'est comme ça que Dieu m'a donné la mission. C'est pourquoi on ne me voit pas dans un seul lieu, sur une seule église. C'est comme ça. Parce que Dieu m'appelle, je voyage. Actuellement, j'ai des invitations, je ne vais pas vous donner les pays, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, et puis même aux États-Unis, au Canada, j'ai des invitations. Alors, je suis en train de gérer tout ça, et ce qui fait que je suis obligé d'établir des gens. J'ai même une de mes filles qui va s'installer au Canada bientôt, c'est une servante de Dieu. Il faut que je la consacre avant qu'elle parte, tout ça. Donc, c'est chargé, c'est vraiment chargé. Mais avant la fin de l'année, on fera un grand programme de délivrance et de guérison à Paris. Tu as été envoûté. Tu es malade. Tu as des blocages dans ta vie. Tu as tout. Il ne faut pas que 2021
avec un seul de ses problèmes. Donc ça sera veille de prière. Et puis le lendemain, on vous donnera le programme. Ça sera un programme de délivrance. Un programme de vraiment que Dieu brise les chaînes ce jour-là, qui délivre les gens. On vous donnera les dates, mais je vous annonce ça dès maintenant. Préparez-vous. Donc, ceux qui veulent me rencontrer, ma secrétaire, vous allez, elle va vous inscrire. Déjà, un, première des choses, est-ce que vous êtes abonné à ma page? Elle va vous demander. Deuxième des choses, qui vous êtes? Troisième des choses, vous allez donner votre nom, vos coordonnées réelles. Elle va vérifier sur Internet qui vous êtes d'abord, avant que moi je vous reçoive. N'importe qui ne va pas s'élever et m'aller voir le bishop. Voilà. C'est-à-dire qu'actuellement, là, on est mélangé. Donc, moi, j'ai prié pour mes enfants. C'est tout. Ça, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais prier. Maintenant, je vais prier pour ceux qui... Il y a des difficultés. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. J'ai même une de mes filles qui a appelé des États-Unis aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est Canada ou États-Unis. Pendant le confinement, ils ont licencié beaucoup de personnes dans son travail. Et comme par hasard, après le confinement, ils ont commencé encore à licencier. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a des gens qui perdent leur travail en ce moment. Il y a des gens qui ont perdu leur capital, qui sont vraiment dans une sorte d'épreuve. Voilà. Difficulté énorme actuellement. Donc voilà. Non, j'ai vu quelqu'un qui a écrit les musulmans. Faut pas écrire ça. Je peux pas accepter qu'on insulte les musulmans. S'il te plaît. Les musulmans. Il y a des bons chrétiens, il y a des mauvais chrétiens. Il y a des vrais musulmans et puis il y a des faux. Donc faut dire les faux. Faut pas dire les musulmans parce que ça c'est trop globaliser la chose. C'est il y a toujours des gens qui sont mauvais dans un groupe, qui sont pas bons, ils lisent pas le Coran. C'est pas des vrais musulmans. Donc, faut pas écrire les musulmans malades. S'il te plaît, n'écris pas ça. Je respecte beaucoup les musulmans. J'en connais, j'avais même un père, quelqu'un qui m'appréciait beaucoup, qui était imam, hein, qui est décédé maintenant. Donc, moi, je respecte beaucoup les musulmans. Je respecte toutes les religions. Je ne suis pas là pour obliger quelqu'un à être faussement chrétien ou quoi. C'est Dieu qui convertit. Donc, s'il te plaît, il faut pas laisser ça. Je t'en prie. Si... mes administrateurs même peuvent enlever ton commentaire, c'est mieux. Parce que c'est pas tous les musulmans. Il y a des bons musulmans. Voilà. Il y a des bons musulmans. Il y en a. Il y en a de très bons musulmans qui parlent de paix, d'amour, qui prêchent la vraie parole. Qui sont... moi-même, je prie pour des musulmans qui m'appellent, je prie pour eux. Je prie pas que pour des chrétiens. Je prie pour des musulmans. Donc, je peux pas accepter qu'on dise les musulmans généralisés, dire les musulmans malades. Hein? Les musulmans, on dit il y a écho dans direct. Ça c'est chez toi. Hein? Moi j'ai pas écho ici. Voilà. Je peux pas généraliser pour dire tous les musulmans. C'est pas bon. C'est comme quelqu'un, il y a un chrétien qui fait quelque chose de mauvais et puis quelqu'un vient dire les chrétiens malades. Comme de la manière j'ai attaqué le monsieur tout à l'heure, il dit c'est vous les pasteurs là. Voilà. Donc je l'ai attaqué. Je suis comme ça. Je vais être droit. Bien, je l'ai répondu. Donc, je ne veux pas accepter que quelqu'un insulte tous les musulmans. Non, ce n'est pas bon. Voilà, je veux pas ça. Il y a des faux partout. Même les pasteurs, là, il y a les faux. Les imams, il y a les faux. Dans l'islam, il y a des vrais, il y a des faux. Les chrétiens, il y a des vrais, il y a des faux. Les catholiques, il y a d'autres qui aiment Dieu. Il y a d'autres qui ont d'autres choses à côté, ils n'aiment pas Dieu. Partout, partout, partout. Partout. Même tu vas aller chez les sorciers, là. Il y a des sorciers qui sont bons, gentils. Et puis, il y a les mauvais. Tu vas aller chez les prêtres vaudous, il y a d'autres qui sont sérieux, gentils dans ce qu'ils font. Et puis, il y a d'autres, eux, c'est tout. Partout. 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 Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Ne dites pas, ne généralisez pas les choses. Quand il y a des mauvais, dites qu'il y a des mauvais. Si vous voulez, dites leur nom. Ou bien, vous dites ceux qui sont mauvais. Mais ne dites pas, et tout, c'est pas bon. Voilà. Donc voilà, on va prier. Je vais prier pour vous. Je vais prier. J'aimerais qu'ensemble, je vais augmenter un peu mon son. J'aimerais qu'ensemble, on prie pour cette fin de confinement. Qu'on prie pour cette fin de confinement.
Il y a des gens qui sont en difficulté. Il y a des gens qui vont lutter pour avoir un travail. Il y a des gens qui sont licenciés, qui avaient une formation qui ne peut plus la faire. Et beaucoup de personnes seront dans la crise. Voilà. Beaucoup de personnes seront dans la crise. Donc, nous allons prier. Alors, s'il vous plaît, priez avec moi. Soyez unis avec moi pour que je prie. Seigneur, mon Dieu, oh Yahweh, Seigneur, mon Dieu, oh Yahweh, entends mes cris, Seigneur, entends ma louange, mon Dieu, entends mon cri, Seigneur, entends ma louange, mon Dieu, pitié de nous. Aie pitié de nous. Seigneur, pitié de nous. Nous crions vers toi. Yahweh, pitié de nous. Nous crions à toi. Exauce-nous, Seigneur. Oh, Yahweh. Exauce-nous, Seigneur. Ce monde part en dérive. Ce monde part dans la souffrance, Seigneur. Ce monde part dans les épreuves. Ce monde part dans la désolation, Seigneur. Ah, pitié. Seigneur, ne regarde pas nos péchés pour nous détruire, Yahweh. Ne regarde pas nos manquements pour nous achever. Aie pitié, Yahweh. Oh, oh, aie pitié. Seigneur, j'élève ma voix ce matin par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais que je ne suis pas saint, je ne suis pas pur. Je suis un pécheur. Ma vie est remplie de péchés. Ma langue, tout mon être entier est souillé. Je réclame, Seigneur, ton pardon. Et je dis, par le sang de Jésus, je suis pur, je suis propre, je suis irréprochable pour pouvoir m'approcher de toi. Père, je voudrais élever ma voix aujourd'hui pour tous tes enfants qui sont en souffrance après, Seigneur, cette histoire de corona et de confinement. Père, même s'il y a une liberté de circuler aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur formation. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus orientées, ils sont désorientées. Je voudrais aujourd'hui, par le nom de Jésus, que tu te souviennes d'eux. Je voudrais, Père, que tu fortifies ceux que tu dois fortifier, sans oublier ceux qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu quelqu'un de leur famille pendant cette histoire de coronavirus. Père, je prie que tu nous élèves. Jésus, tu as fait une prière. Tu as dit, Père, je prie pour ceux que tu m'as donné. Je prie, Seigneur, pour ceux qui croient à mon onction. Je prie pour ceux qui disent Amen. Je prie pour ceux qui sont connectés à moi. Que ta grâce les environne. Relève, relève, relève tous ceux qui sont dans la souffrance et dans les épreuves en ce moment. Beaucoup ont perdu l'argent. Beaucoup ne se retrouvent pas. Père, stabilise tes enfants. Dans le nom de Jésus, je prie aussi pour cette sœur qui m'a envoyé un audio du Canada ou des États-Unis qui a perdu son travail. Père, donne-lui
un travail mieux que ce qu'elle a perdu. Père, dans le nom de Jésus, qu'aucun de tes enfants soit dans la souffrance, dans les épreuves, à cause du passage de ce virus. Que l'honneur soit à toi. Que la puissance soit à toi. Que la magnificence soit à toi, Père. Dans le nom de Jésus. J'appelle les anges au secours de tes enfants. Je parle, Seigneur, à l'ange de mon autel d'intercéder avec moi et d'appeler toute la messe céleste à combattre. Tu as dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu as dit là où tu foules ton pied, je te donne en héritage. Tu dis, mes projets pour vous, c'est que vous soyez prospères. Tu as dit, vous serez à la tête et non à la queue. Souviens-toi de tous tes enfants qui sont en train de te prier aujourd'hui, de les soutenir financièrement, matériellement. Ils te prient pour leur travail, leur formation, leur famille, leur projet. Je prie pour eux, Père, que par le nom de Jésus, ma prière monte à toi. Alléluia. Alléluia. Yeah, alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Oh, alléluia. Yeah. Nous sommes exaucés. Jésus nous a répondu. Nous sommes exaucés. Alléluia. Jésus a écouté nos prières. Alléluia. Yeah. Allez, alléluia, ne pleure plus, ma sœur. Allez, alléluia, ne pleure plus, mon frère. Jésus est vivant, il agira, il te répondra. Tu verras ton miracle, ne pleure plus, c'est fini. Ne pleure plus, oh, c'est fait. Ne pleure plus, c'est fini. Ne pleure plus, oh, c'est fait, Jésus est là. Il est là, oh, 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 Jésus est là. Allez, alléluia, allez, ah, allez, allez, alléluia, allez. Ah, allez, nous sommes exaucés par la foi. Dieu nous a répondu, nous disons Amen. Nous sommes exaucés par la foi. Dieu nous a répondu, nous disons Amen. Alléluia. Seigneur, je prie pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Je bénis ton saint nom pour la vie du président Gbagbo et pour tous ceux qui sont dans les partis politiques, pour Charles Blégoudé, je prie, je bénis ton saint nom pour la prière de tes saints que tu as exaucée. Je prie, Père, par rapport aux révélations que tu m'as données, que tu te souviennes de ma nation. Apaise les cœurs, conduis les cœurs et agis. Sois faite, mais nous ne faisons que te prier, car tu penses aux pauvres, à l'orphelin et à la veuve. Seigneur, quel que soit ce qui sera fait, que ta volonté soit faite. Mais nous élevons la voix vers toi. Je prie pour le corps pastoral. Je prie, Seigneur, que tu te souviennes de tes élus, ceux que tu as appelés, ceux que tu as mandatés. Renouvelle, Seigneur, l'onction. Renouvelle la foi, la grâce. Enflamme-nous, afin que, Père, nous puissions encore faire ta volonté. Je prie, Seigneur, pour la terre ivoirienne. Toi seul, à la solution. Et nous te disons Amen. Amen, Amen. Nous te disons Amen, Seigneur. Nous te disons Amen, Seigneur. Alléluia. Nous te disons Amen. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci. Oria Baba Shaka Baba Shaka Baba Shaka.
Arrête là pour laisser, pendant que je priais, j'ai reçu une parole. Je dis à tous les chrétiens qui sont en Côte d'Ivoire, tous les enfants de Dieu, quelle que soit l'église dans laquelle tu te trouves, je vous demande, s'il vous plaît, de prendre un peu de terre, quel que soit le lieu où tu es, que tu sois à l'intérieur, que tu sois à Bigan, que tu sois dans un village. Pardon. Prenez de la terre. Vous pouvez mettre dans quelque chose, dans du papier, dans un récipient ou dans votre main. À partir d'aujourd'hui, prenez la terre de la Côte d'Ivoire. Quand vous priez, prophétisez, déclarez sur cette terre. Quand je priais tout à l'heure, j'ai reçu ça. Priez, vous qui êtes surtout au pays, quelle que soit votre église, que vous soyez catholique ou pas, c'est une nation prophétique. Ce n'est pas du fétichisme. Tu as juste à prendre de la terre. La terre là doit être devant toi. Symbolise ça. J'ai reçu ça tout à l'heure. On va écouter cette chanson avant de se quitter, s'il vous plaît.
Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tous ceux qui m'ont suivi, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur foi, ce sont des Ivoiriens, je prie pour tous les Ivoiriens, je prie pour toute la Côte d'Ivoire, je prie Seigneur que nous puissions connaître des airs de paix, de restauration, d'amour et de bonheur, que Seigneur nous puissions nous réjouir dans ce pays comme d'autres pays sont en train de se réjouir. Seigneur, nous voulons que de la manière que les présidents ghanéens sont unis, nous puissions voir nos politiciens un jour s'unir. Nous voulons, Seigneur, s'il y a un nettoyage à faire, c'est toi qui le fais. S'il y a des réprimandes, c'est toi. Seigneur, c'est toi seul qui es Dieu. Nous nous confions à toi. Pense à la Côte d'Ivoire, Seigneur, de ton trône royal, pense à ce pays. Seigneur, préserve la vie du président Gbagbo. Préserve sa vie et que, Seigneur, ta grâce qui a été sur sa vie continue. Agis dans le cœur de chaque politicien. Si je prie pour le président Gbagbo, c'est parce que c'est lui qui était en prison avec Blé Goudé et vient de sortir. Seigneur, il me doit de prier pour que tu puisses les protéger. Que aucun piège. Père, je prie pour que le cœur des Ivoiriens soit apaisé, que les blessures soient cicatrisées et que nous puissions aller en avant pour nos enfants, nos petits-enfants et pour l'avenir de cette nation. Merci de m'avoir exaucé. Au nom de Jésus, amen. Dieu vous bénisse. Voilà. Je pense qu'on a fini. Que Dieu vous bénisse et puis bonne journée. C'était pas prévu le direct, mais voilà, c'est comme ça. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je le fais. Et à dimanche soir pour le moment de prière et témoignage. Merci beaucoup.